T'as pas l'histoire de Madame Loisel? Oui, j'arrive. Bonjour. Bonjour, très chère. Je vais en faire un peu. Bonjour, je me présente, je suis journaliste du Figaro et je voudrais vous poser quelques questions sur la soirée pendant laquelle vous avez perdu le bijou de votre chère amie. Eh bien, allez-y, que voulez-vous me poser? Pour commencer, ce bijou, l'avez-vous retrouvé? Eh bien non, sinon j'en serais habillée. D'accord. Mais quand l'avez-vous perdu? Je ne sais vraiment pas. Franchement. Et quand vous êtes-vous aperçue que vous avez perdu? C'est en rentrant chez moi. J'ai voulu m'admirer dans le miroir, comme je fais chaque fois. Sauf que cette fois-ci, je me suis aperçue que je n'avais plus aucun bijou. D'accord. Et quelle a été votre réaction lors de cette affreuse découverte? Eh bien, très cher, quand vous observez qu'un bijou manque à appel, ça vous fait peur. Surtout que ce bijou était à mon ami. D'accord, mais n'êtes-vous pas de trop basse société pour porter un bijou pareil? Suis-je en train de me tromper ou vous moquez de moi? Eh bien non, mais en toute honnêteté, je préfère vous poser la question. Et puis, votre logement n'est pas si modeste et poussiéreux? Mon logement, très cher, eh bien, est sans doute plus propre que votre langage. Vous commencez à m'importuner avec vos questions. En parlant de questions, j'en ai une dernière à vous poser. Si, comme vous le dites, vous n'êtes pas de basse société, comment expliquez-vous que vous ayez l'air si vieille et mal peignée? Vous commencez à me monter les nerfs. Sortez de chez moi. Mais madame, je ne suis pas venue ici. Sortez de chez moi. Oh là là, c'est journaliste.